Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour mes trois bases du quinté de ce mardi 2 mai 2023. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, chez vous et pour votre famille. N'hésitez pas à mettre max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire avec PayPal. Vous avez le lien en description sous la vidéo et le bouton rejoindre pour rejoindre la chaîne. Sous la vidéo, celui-ci. Allez, on y va pour mes trois bases, les amis. On commence tout de suite avec mon favori, hein, qui sera le 5 Picnic Royal, qui sera monté par Pasquier. C'est Perret, l'entraîneur. C'est un nombre de 7 ans. Ses dernières courses, 3e, 10e, 2e. Donc, cheval assez intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Sauf petite erreur à Cagnes, mais ça peut faire le job, je pense. Avec 61 courses courues, 9 victoires, 25 fois deuxième et troisième, 27 autres. Il est à 56% dans les trois premiers. Pour ce qui est de ma base maintenant, les amis, ce sera hop, le numéro 14, Morisseau, qui sera monté par Guyon. C'est Chevigny, l'entraîneur. C'est une femelle de 5 ans. Ses dernières courses, 9e, 2e, 6e. Alors attention, faut pas trop s'y fier. Avec 9 courses courues, 3 victoires, 3 fois 2e et 3e, 3 autres, 67% dans les 3 premiers. Donc pas trop se fier à ses dernières courses. Avec un bon Guyon dessus, ça peut faire mouche. Pour ce qui est de mon tocard, les amis, ce sera le numéro 15, La Templière, qui sera montée par Chouette. C'est Delzangle, l'entraîneur. C'est une femelle de 5 ans. Ses dernières courses, 5e, 2e, 16e. Avec 13 courses courues, 2 victoires, 7 fois 2e et 3e, et 4 autres, 69% dans les 3 premiers. Donc cheval assez intéressant qui sera un moyen rapport. Donc à voir le taf qu'il fera sur le terrain. Mais ça peut faire du bon boulot. Voilà les amis ce que je pouvais dire pour mes trois bases du quinté. N'hésitez pas, mettez un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter. Et on se revoit très bientôt. Bye!